Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes, militants et sympathisants du mouvement politique La Diversité Républicaine de Guinée. C'est Souleymane Kondé, président de La Diversité Républicaine de Guinée. Je demande humblement au président Alpha de libérer des détenus politiques. Ouais, je sais c'est quoi un détenu, être détenu. La femme de Fonike Hawadian, elle souffre. La femme de Étienne Sorokogi souffre. Les femmes d'Ismaël souffrent. Il faut penser à ces femmes et les libérer. Il faut penser aux enfants. Dans la vie, on ne peut jamais être au même niveau. Aujourd'hui, on est fort, demain, on n'est pas fort. Aujourd'hui, on est faible, demain, on est fort. C'est tout ce que moi, je peux dire. Et j'ai passé 9 mois, 10 jours de prison. Et il me restait 2 mois, 25 jours de prison. Pour que ma peine finisse. Il ne s'agit pas de tergiverser, il s'agit de se mettre à la place de la femme de Fonike. J'ai été chez Fonike, sa deuxième fille a 1 an, 6 mois. Je l'ai vue très gentille. Et Ismaël a ses 2 enfants ou 4 enfants en France. C'est vrai, c'est un combat politique. Ils ne sont pas des ennemis. Et parfois, c'est comme ça. Il faut assumer ses convictions, il faut assumer sa position. Et moi, je pense que quand on est au-dessus des choses, on doit se mettre au-dessus. Et de ne pas écouter, de n'écouter personne, et de dire que j'ai plus le dessus, et je laisse les gens là, et je les libère. Donc, je ne peux pas rester muet, sans parler du cas de détenu politique. Je parle du seul cas de détenu politique. Je le demande humblement de se mettre au-dessus, de ne pas concéder l'orgueil et de faire un décret. Ismaël Kondé, Étienne Sorokogi, Fonike Mangé, Mamadi Onibogi et celui qui vient d'être arrêté là, Bogola. C'est juste ça. Cette vidéo, c'est pour les détenus politiques. Et vraiment, demander au président de se mettre au-dessus. C'est tout ce que je peux lui demander. Me taire me fera mal au cœur. J'ai partagé tout avec Fonike, tout. J'ai été arrêté le 12 septembre. Je suis rentré à la maison centrale le 16. Ismaël est rentré une semaine après. Fonike est arrivé le 29 septembre. Je sais ce qu'on a subi ensemble là-bas. On dansait ensemble parfois les nuits. On rigolait. On faisait tout. Donc, c'est pas défier quiconque, mais humblement, ça me fait mal tous les jours quand je vois la femme de Fonike, la femme d'Ismaël et la femme d'Étienne Sorokogi. On ne peut pas tout vous dire, c'est la politique. Il y a tellement de choses en dessous que vous ne pouvez pas savoir. Je demande au président Alpha de les libérer humblement. Merci beaucoup. Juste pour ces détenus politiques. Parce que je sais combien de fois, quand je suis arrivé à Boston, le temps que j'ai mis en Guinée, les 11 mois, je sais ce que ça a fait à ma famille, et je sais le vide que j'ai trouvé ici. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée, et qu'on mette au-dessus l'intérêt de la Guinée. Je pense que chacun se bat pour l'avenir de la Guinée, pour l'intérêt de la Guinée, mais de manière différente. Merci beaucoup.